بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد إخواني أخواتي أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alors, on m'a demandé de faire une intervention sur la spiritualité en islam et comment vivre sa spiritualité. Comment vivre sa spiritualité dans un monde où les défis sont très très importants. Alors, Hey, il m'a attaché là. Hein? D'accord. Ok. Ça dans ma poche. Ah oui, il faut le prendre. Il n'y a pas assez de batterie. Hein? Bon. C'est pas grave, vas-y. Déjà, qui veut la batterie? Ouais, c'est pas grave, j'ai pas d'autre choix. Ok. Alors, on a ça, c'est un seul là, on a la côté de la bichra et sadri et samedi, on a la côté de la bichra et sadri et samedi. Donc, ça sera un champ, un cours interactif. Alors qu'il y aura un échange entre nous, comme j'ai l'habitude de faire ailleurs. Et j'ai commencé par vous poser la question, c'est quoi la spiritualité pour vous? C'est d'après vos réponses qu'on définira, je tournerai le plan après. Hein. C'est quoi la spiritualité pour vous? Quand on parle de spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire? Vous battez pas. Non? Je vais noter. T'as des goûts de riche. Et les grands tableaux, hein, inchallah. Alors, donc la spiritualité, là on a dit c'est la foi. Oui. Intimité avec Dieu. Okay. Bon, écoutez, mon stylo, il marche pas. Moi, j'ai des stylos. C'est une qui marche. C'est bon, c'est bon. Donc c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Ok. Quelqu'un d'autre? Non? Quelqu'un d'autre? Oh. Ouais, vas-y. Une introspection. Ouais. Mais quand on dit l'intimité avec Dieu, c'est avec quel moyen, sur quelle base? Quand tu dis intimité avec Dieu, sur quel moyen, quels sont les moyens que tu utilises pour être intimement lié à Dieu ou intimement avec, ou d'être intime avec Dieu, sur quelle base? Avec quel outil? Le cœur, oui. Donc avec le cœur. Oui. Les intentions aussi. Les intentions. Oui, le mot principe. Oui. Les actes d'adoration. Qu'est-ce que vous appelez les actes d'adoration? D'accord.
Les actes d'adoration, donc la prière, le moins, tout ça, ok. Encore ? La purification ? La purification ? D'accord. Purification de l'âme. C'est ça ? D'accord. Le Mohamed Razel est là. Ok. La recherche du savoir. Ouais, comment ? Via le Coran. Là, tu touches quelque chose de... via le Coran. La recherche du savoir via le Coran. Ok. La recherche du savoir via le Coran. Je vais vous montrer le savoir via le Coran. Vous voyez ? Ok ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Quelqu'un d'autre ? Quelqu'un d'autre ? Pardon ? Donner un sens à sa vie. Comment ? Parce que comme on dit donner un sens à sa vie, comment je donne un sens à ma vie ? Quel moyen ? Comment je donne un sens à ma vie ? C'est en faisant le monde ? Comment je donne un sens à ma vie ? Comment ? En étant Dieu au centre, c'est bien. Ça, c'est très bien. Donner un sens à sa vie. Ok. Donc, centralité, c'est Dieu. Je vais montrer tout à l'heure, Inch'Allah, comment Dieu nous demande de mettre en la centralité, de mettre la centralité. Allah, il faut qu'il soit la centralité dans notre vie. Et vous allez voir tout à l'heure, centralité de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande ça justement dans le Coran. Ok ? Justement dans le Coran. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ouais. C'est déjà pas mal, hein ? Bien. Ouais. Introspection. Quand vous parlez de foi, qu'est-ce que ça veut dire la foi pour vous ? On parle de foi. C'est quoi la foi pour vous ? C'est que Dieu existe. Oui. Oui. D'accord. Vous connaissez Hadith Jibril ? Le Hadith de Jibril. Qu'est-ce qu'il dit, Hadith de Jibril ? Les piliers de la foi. D'accord, les piliers de la foi. C'est quoi les piliers de la foi ? Croire en Dieu, en ses messagers. Non. Il y a un sens. Croire en Dieu, ses anges, oui. L'Iman Billahi wa Malaikatihi wa Kutubihi, les livres, encore. Wa Rasulihi. Wa Liyawmi Al-Akhir, le jugement dernier, et. Et la prédestination. D'accord. Alors, en fait, la foi, c'est l'iman ou bil-raïb. C'est croire à l'invisible. La différence entre un musulman et un non-musulman, c'est l'iman ou bil-raïb. Croire en Dieu, c'est invisible ou pas ? Oui. C'est invisible. Les anges, c'est invisible ou pas ? Oui. Les messagers, c'est invisible ou pas ? Non. Il y a un souci. Je viens de dire que c'est invisible. Les messagers, c'est invisible ou pas ? Oui. Juste une remarque, on peut très bien être non-musulman et croire en l'invisible. Ça, c'est possible. Je reviens à la question. Je vous expliquerai comment. Donc on a dit, Dieu, c'est invisible. D'accord ? Dieu, c'est invisible. Malaïka, c'est invisible. Les messagers ? On les a jamais vus pour nous. Et pour les compagnons, par exemple. C'est pas de l'invisible, d'accord. Les livres, c'est invisible ou pas ? C'est invisible ou pas ? Non. Non, c'est pas invisible, d'accord. Le jugement dernier, c'est invisible, d'accord. La prédestination, c'est invisible, d'accord. Donc il y a deux choses qui ne sont pas invisibles, qui sont les livres et... D'accord. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut croire aux livres, on ne croit pas aux livres où il y a les pages, c'est pas ça. On croit à la révélation. On croit que le message qu'il y a là-dedans... C'est la parole de Dieu, c'est ça ce qu'on croit. Parce que quelqu'un d'autre qui ne croit pas à l'islam, qui ne croit pas au Coran, il va voir un livre normal. Mais vous, vous croyez que c'est une révélation qui vient de Dieu,
comment elle a été faite. Les compagnons ne savaient pas. Ils voyaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est changé quand il recevait la révélation, mais ils ne savaient pas comment ça se traduisait réellement. Jibril, il venait voir le prophète. Des fois, il prenait une image d'un être humain. Mais quand il ramenait l'ouah, quand il ramenait la révélation, quand Jibril ramenait la révélation, les compagnons ne voyaient pas, ils voyaient juste les transformations du prophète. Donc le livre, on croit que c'est invisible, la parole qu'il y a dedans. Quant au messager, l'invisibilité, elle est dans leur message. Elle n'est pas dans le fait que... Elle est dans leur message. Elle n'est pas dans le fait qu'on voit l'individu ou pas. C'est pas ça. Elle n'est pas dans le fait qu'on voit Moussa ou on voit Mohammed. Mohammed, quelqu'un, sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est né en 570, qui est mort en 632, qui a vécu en Arabie, tout ça. Tout le monde croit que c'est un personnage qui a existé dans l'histoire. Qu'est-ce qui différencie un musulman d'un non-musulman? Abu Jahl, il a vu Mohammed. Il l'a vu. Mais il n'a pas vu le message invisible que Mohammed y ramenait. Les compagnons, ils croyaient à l'invisibilité du message. C'est ça qui fait que les compagnons croyaient à l'invisible. Vous voyez l'invisible, où est-ce qu'il est? C'est pas le livre, c'est pas l'oura, c'est pas les feuillets. C'est le message qui est à l'intérieur, c'est ça l'invisibilité. Ok? Et en fait, quand je vous posais la question, pourquoi? Parce que nous, quand on se pose la question, comment se rapprocher de Dieu? Comment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quels sont les moyens? Vous voyez, qu'est-ce qu'on doit mettre en exergue pour justement cheminer vers Dieu? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit « Ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan fa mulaqih » Certes, toi, l'être humain, tu es en train de cheminer vers ton Seigneur. L'être humain, le musulman, il chemine vers son Seigneur en grattant les échelons. Le kafir, le mécréant, il descend. Mais il chemine tous aussi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous allons tous rencontrer Dieu. L'outil principal, quand on pose la question, on n'arrive pas à définir l'outil. Alors que l'outil, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a donné. Et l'outil que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qu'il a donné aux prophètes, qu'il a donné aux générations qui ont succédé aux prophètes, c'est quoi? C'est Kalamullah. C'est ça. C'est le livre sacré. Et le livre sacré, pas en tant que feuille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais le livre sacré en tant que révélation divine, en tant que Kalamullah. Et ça, le problème, c'est qu'on ne l'étudie pas assez. Et je vous garantis que si vous étudiez le Coran, votre vie ne suffira pas. Et d'ailleurs, quand vous voyez les grands savants, Qurtubi par exemple, qui a fait un exégèse du Coran, il a mis 26 ans de sa vie. Il a passé 26 ans de sa vie. Et le Coran, il est descendu sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant combien de temps? Pendant 23 ans, voilà. J'ai tendance, je l'ai déjà fait ici à Lyon, quand on commence une conférence, on dit aux gens, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? On connaissait la réponse, alors répondez pas, laissez les autres. C'est quoi ça? Les gens, ils vous disent, c'est le Coran. Ça, c'est pas le Coran. Ça, c'est un mushaf. Ça, c'est un livre. Le Coran, c'est quand vous commencez à lire et comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, Inch'Allah, aujourd'hui, pour vivre notre spiritualité, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va essayer de cheminer à travers certains, pas versets, mais ayah. Parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a appelé ayah. Pourquoi il a appelé ayah? En arabe, l'ayah, c'est le burhan, c'est la preuve. Al-burhan, en langue arabe, al-burhan, c'est le rayon de soleil qui est vertical comme ça sur la terre. C'est ça le burhan. Et le burhan, c'est une preuve évidente. Ok? Le burhan, c'est la preuve évidente. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le nom de ayah à chaque, entre guillemets, verset. Mais ce n'est pas des versets, hein. C'est des ayat. Il ne faut pas traduire, parce que la traduction, vous allez voir quand on va lire, la traduction, elle trahit toujours. La traduction trahit toujours le sens. Ça, quand on traduit le Coran, c'est un essai de traduction. Et vous allez voir, si vous avez des mushafs différents, vous allez voir que la traduction n'est pas toujours la même. Et d'ailleurs, si vous faites une étude sur la Bible, par exemple, quand est-ce les gens ont commencé à rajouter, à enlever? C'est quand on a commencé à traduire.
C'est donc quand on a commencé à traduire de l'hébreu au latin ou au grec au préalable et ensuite au latin, c'est là où les gens ont commencé à traduire. Et vous remarquerez que l'Asprintalai dit « Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan » Nous avons descendu en arabe. Que vous soyez chinois ou coréen ou américain, vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Vous ne dites pas « Thanks God ». Ok ? Vous dites « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » et quelle que soit la personne, quelle que soit votre langue, vous devez apprendre minimum, minimum, Al-Fatiha. Al-Fatiha qui a un sens très très profond dans le Coran. C'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mis en ouverture. Al-Fatiha, il y a eu des composantes ou des rédactions extraordinaires sur Al-Fatiha. Ibn al-Qayyim a écrit un livre sur Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants, à travers Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Juste à travers ça. Juste à travers ce que ça veut dire Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Bon, on a tendance à... Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, il dit... J'ai eu les sept grandes sourates, c'est-à-dire les sept grandes sourates, Al-Baqarah, Al-Imran, qu'est-ce qu'il y a encore? Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am, Al-A'raf, et il y en a qui rajoutent Tawba avec, ou l'Anfal, bon, les sept grandes sourates. Si vous lisez les sept grandes sourates, vous savez ce qu'il y a dans la Torah. Et la Torah, c'est pas quelque chose de grand, hein. Vous voyez la Bible, vous pensez que non, hein. Parce que, par exemple, les Juifs, ils ont ce qu'on appelle la Torah, mais ils ont, qui ressemble à peu près, mais c'est pas ça. C'est la tradition orale qui est la Mishnah, et qui est traduite, et qui est écrite, et qui a donné le Talmud. Donc ça n'a rien à voir avec la Torah, vous voyez. Alors, ça, c'est le midi, « Utitul ma'il makal al-inji » Et Allah, subhanahu wa ta'ala, m'a donné les sourates qui dépassent les 100 ayats à la place des évangiles. Ok. Ensuite, il dit « Al-Mathani » à la place de Zabur. Al-Mathani, c'est les dédoublés. C'est les sourates qui sont moins de 80 ayats à peu près. Surat al-Ra'd. Wa fadhiltu bil mufassal. Allah subhanahu wa ta'ala m'a préféré, m'a donné une préférence par le décomposé. Et le décomposé commence à Surat Qaf jusqu'à Surat 50, jusqu'à Surat al-Nas. Ça, c'est le Coran. Le Coran, il est résumé où? Il est résumé dans les derniers ayats de Surat al-Baqarah et Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha résume le Coran. Vous allez me dire comment? Comment Surat al-Fatiha résume le Coran? Vous allez voir. Al-Fatiha résume le Coran. Et qu'est-ce qui résume Al-Fatiha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Si vous prenez Al-Fatiha est partagée en trois parties. La première partie concerne Allah. La deuxième partie, c'est entre nous et Allah. Et la troisième partie, c'est quoi? C'est nous. Qu'est-ce, comment ça? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahman al-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ça, c'est, on appelle ça, Fana. On appelle ça, c'est l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cet éloge, on se retourne, l'iltifat, on se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Iyyaka na'budu, c'est toi que nous adorons, et c'est toi que nous implorons. Ok? Et après, c'est des choses qui nous concernent nous directement. Dua al-Fatiha, ihdina sirat al-mustaqim, sirat guide-nous vers le chemin droit. Bon. Après Surat al-Fatiha, on a dit, et vous allez voir, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu, ça concerne la première partie de l'Fatiha, Iyyaka nasta'in, c'est toi que nous implorons, ça concerne la deuxième partie de l'Fatiha. Si vous ouvrez le mashaf, comme je vous dis, vous lisez la première ayah après l'Fatiha, c'est quoi? La première ayah après l'Fatiha, c'est quoi? Alif lam mim. Continuez. Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Il n'y a pas un doute dans ce livre. Continuez. Houdan lil muttaqin. Puis surat al-Fatiha, vous demandez le hidayah, vous demandez à être guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, si vous voulez être guidé, eh bien suivez les consignes de ce livre. Suivez les consignes de ce livre. On va s'arrêter dans des étapes, les étapes qu'on va essayer de comprendre comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers certains ayats, par verset, fait le Coran. Je vais vous demander d'ouvrir le mashaf et de regarder la ayah 42, je crois, 42-43, Mais surat al-Baqarah. 42-43, mais surat al-Baqarah. Et vous allez voir qu'à travers le Coran,
vous allez comprendre ce que ça veut dire spiritualité, et vous allez comprendre pourquoi les gens qui nous ont précédés, ils restaient sur une ayah pendant des semaines et des semaines sur une seule ayah. Regardez la ayah 42, qui veut lire? C'est interactif, je vous ai dit, il faut lire. Qui veut lire? Allez, allez. Vas-y. En français? En français, comme ça tout le monde comprend. Ne dissimulez pas la vérité derrière le mensonge, ne cachez pas la vérité alors que vous la connaissez. Continue. Tu t'arrêtes quand je te dis arrête. Acquittez-vous de la salate, faites la zakat. Non, accomplissez. Ah, ouais, c'est écrit acquittez-vous. Acquittez-vous de la salate? Ouais. Non, accomplissez. Ah, moi, c'est écrit acquittez-vous. Qui a accomplissé? Ouais, ok. Bon. Allah subhanahu wa ta'ala dit aqimu as-salat. Bon, j'ai noté accomplissé. Alors, faites la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Seriez-vous homme à ordonner de faire le bien tout en oubliant de le faire vous-même alors que vous récitez la lecture? N'êtes-vous donc pas raisonnable? Cherchez du réconfort dans la patience et la salate. Sans doute la salate est une lourde tâche, mais pas pour les humbles. Alors, regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'abord, vous allez voir, Al-Khitab, le Coran, il y a des grandes thématiques du Coran. Les grandes thématiques du Coran, comme on a dit toujours, c'est, quand vous lisez le Coran, il y a trois thèmes qui se répètent assez régulièrement. C'est le thème du credo, ensuite c'est le thème de l'histoire, et ensuite vous avez le thème des histoires, et ensuite vous avez le thème des ahkam, qui sont les règles juridiques. Les règles juridiques. Comment on sait, par exemple, que l'alcool est haram? Comment on sait? Comment c'est? C'est dans le Coran, moi je l'appelle. Hein, c'est pas grave. Comment c'est que... bon, je sais pas moi, que la viande... on parle du halal. Allez. Comment on sait que dem c'est haram? Le sang est haram. C'est dans le Coran. Comment on sait que la viande de porc est haram? C'est un texte du Coran, d'accord. Donc, le Coran, il faut qu'arrête vous dise, le Coran, globalise ce qui est mouvant et détaille ce qui est immuable dans l'histoire. Donc, il globalise ce qui a tendance à bouger, ce qui est mouvant, et détaille ce qui est immuable. Je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'héritage sur le Coran, ça c'est en parenthèse. Hein. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'héritage sur le Coran, il nous définit, hein, l'héritage, mais alors point par point. Si une personne meurt, il laisse des enfants. Il a une épouse, elle prend le temps. Elle n'a pas d'épouse, ses enfants ils prennent temps, et ses parents ils prennent temps. Si les parents, il y a juste les parents qui prennent, son père il prend 2/3, sa mère prend 1/3. Il a détaillé ça dans ce matin du Coran. Jusqu'à la fin des temps, vous ne trouverez pas de changement dans ça. Jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala détaille ce qui est immuable. Allah subhanahu wa ta'ala nous a défini les catégories de femmes avec lesquelles on ne peut pas avoir une relation de mariage. La maman est interdite, la sœur est interdite, la tante est interdite. C'est immuable, ça ne changera pas jusqu'à la fin des temps. Ok? Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa amruhum shura baynahum ». Vous devez vous consulter quand vous faites quelque chose, quand vous faites une institution, vous devez consulter. Comment? Il n'a pas dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit comment on doit consulter. Et pourquoi? Parce que la consultation, ça dépend aussi des peuples et de la culture des peuples. Vous savez, dans des tribus, c'est les sages, c'est un comité de sages qui va décider pour la tribu. La démocratie en France, c'est le suffrage universel. La démocratie aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle les grands électeurs. Donc, c'est quelque chose, vous voyez bien que ce sont des choses qui bougent. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala... Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a globalisé certaines choses que la sunna est venue détailler. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Accomplissez la salat ». Ok ?« Aqimu » Il nous dit « Aqimu salat »« Wa atu zakat ». On va s'arrêter juste
sur ces deux termes. Aqimu wa atu. Ok ? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne nous parle jamais de prier, il ne dit jamais prier, il dit aqimu salat. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aqimu salat ? Pourquoi il nous dit construisez en fait votre prière ? Construisez votre prière. Il ne nous dit pas salou, faites la prière. Non, aqimu salat. Et acquitte-toi de zakat. On va s'arrêter sur aqimu zakat. On revient à salat après. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous demande de ita'u zakat, fait le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, on vous dit, dans certaines actions, il y a ce qu'on appelle le droit de Dieu et le droit de l'individu. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on vous dit, fait le fiqh, le droit de Dieu est supérieur au droit de l'individu, et des fois, le droit de l'individu est supérieur au droit de Dieu. Je vous explique. Dans un meurtre, un assassinat, quelqu'un qui a tué un autre, okay. Qu'est-ce qu'on fait? En islam, soit la loi du talion, c'est-à-dire celui qui a enlevé la vie, on lui enlève la vie. Ou bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? La dette du sang, avec le prix du sang. C'est-à-dire le gars, la famille du défunt, celui qui a été tué, elle accepte que le gars il débourse de l'argent et on n'applique pas la loi du talion. Là, on dit que le droit de l'être humain est supérieur au droit d'homme. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a tué, vous le tuez. Okay? Mais il nous donne une autre solution, il dit, celui qui a tué, s'il accepte de payer la dette de sang, vous n'appliquez pas la loi du talion. Là, on dit que le droit de Dieu est inférieur au droit de l'individu. Des fois, le droit de Dieu est supérieur au droit de l'individu. La calomnie. Quelqu'un qui a calomnié, qu'est-ce qu'on lui fait en islam? Il reçoit 80 coups de fouet. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, fais sur le talon. Il reçoit 80 coups de fouet. Maintenant, un de nous, par exemple, M. Ibrahim, il a été calomnié. Il dit, c'est pas grave, moi j'ai un grand cœur, je pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne le pardonne pas. On lui donne 80 coups de fouet. Et là, on vous dit que le droit de Dieu est supérieur au droit de l'individu. C'est comme, si vous voulez, le procureur général qui protège les droits de la société. Le procureur général, il requiert devant le juge une peine qui va être... qui va couper court à aux tentatives de ce gars-là qui vole ou qui fait des choses dans la société. En fait, le procureur, il protège la société. Ok. Zakat, elle a deux droits. Zakat, elle a le droit d'Allah et le droit de le faqir, de l'indigent, du pauvre. Donc elle a deux droits. Quand zakat, tu dois sortir un zakat, quand tu dois sortir un zakat, on se prend à l'aide, il dit, acquittez-vous. Ok ? L'ita veut dire que tu donnes le zakat de gaieté de cœur. C'est ça ce que ça veut dire. Quand tu donnes le zakat, c'est toi qui la calcules et tu la donnes de gaieté de cœur, qu'est-ce qui se passe ? Tu as fait l'ita, tu as fait aatou, tu as fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé, acquittez-vous. Si dans un état musulman, il y a les collecteurs de zakat, comme il y a les collecteurs d'impôts ici, il y a les collecteurs de zakat. Le gars ne veut pas donner, on lui fait un ATD sur son compte et on lui enlève sa zakat. Il a 10 000 euros de côté, il doit sortir 250 euros, il ne veut pas les sortir. On lui fait un atelier, on lui prend les 250 euros. Dans le fait qu'on vous dit, le droit du pauvre, il a été acquitté, mais pas le droit de Dieu. Autrement dit, les hassanats qu'il devait avoir parce qu'il a fait ce geste d'une manière spontanée et son cœur était gai quand il a sorti ça, il ne les aura pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, par contre... juridiquement, devant la société, on ne peut rien lui reprocher parce qu'on lui a enlevé cet argent. Vous suivez? D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aatou zakat ». Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Aatou zakat » ? En fait, si vous remarquez, la prière, quand il parle de salat, il n'y a pas un endroit, fait le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de la prière, il ne parle pas de zakat. À chaque fois, quand il parle de la prière, il parle de zakat. Chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala parle de la prière, il parle de zakat. La prière, c'est quoi? C'est l'image du corps qui va nous donner l'image de notre cœur, qui va représenter le cheminement ou le mouvement de notre cœur. C'est ça, salat. La salat, c'est ton cœur, c'est ton corps qui bouge en imageant ton cœur. La zakat, c'est pas un mouvement du corps. C'est un mouvement existentiel. Ribadatun wujdaniya. Existentiel. Ton corps, il fait rien. À la limite, tu es un chef d'entreprise, tu fais rien du tout.
Tu appelles ton comptable et tu lui dis, voilà, tu es sur Zakat. Ni tu touches l'argent, ni tu fais rien. Tu donnes juste un ordre. Et pourtant, tu as fait Zakat. Tu as sorti Zakat. Parce que tu as donné juste l'ordre. Donc ton corps, on ne le voit pas. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a sorti Zakat, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wa aqimu salata wa atu zakata, quand tu fais l'itian, ou l'ita, pardon, quand tu fais l'ita, quand tu t'acquittes de Zakat, de gaieté de cœur, qu'est-ce que tu es en train de montrer? Tu es en train de montrer, ya Allah, cet argent que j'ai cumulé, c'est grâce à toi que tu m'as donné. Et vous allez voir, on va reprendre cette explication, ou là, cette connaissance et cette perception. Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis, cet argent que tu m'as donné, c'est toi qui vas me dire maintenant qu'est-ce que je fais. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, maintenant, sur cet argent, tu sors 250 euros. Tu as cumulé 10 000 euros, tu sors 250 euros. Or, dans les transactions commerciales, ou dans le fiqh, on vous dit, quand tu vends quelque chose, ou là, quand tu acquiers quelque chose, tu n'as plus le droit de gestion de cette chose. Ok ? Je te vends une voiture à 3000 euros. Je ne peux plus venir te dire, maintenant, la voiture, attends, elle est grise, ben, tu peux la peindre en noir. J'ai perdu le droit de gérer cette voiture. Comprenez ? Autrement dit, cet argent que j'ai, malgré que c'est moi qui a cet argent, Allah subhanahu wa ta'ala, il vient derrière et te dit, maintenant, ton argent, hada, tu vas sortir 250 euros, 100 euros, 3000 euros. Il a un droit de regard et il me dit ce que je dois faire. Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire que je reconnais à Allah, quand je sors zakat, je reconnais à Allah, c'est lui qui m'a donné cet argent, et je reconnais ma servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce terme, ita. Vous voyez ? À travers ce terme, je reconnais ma servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première. La seconde, zakat, qui est une action, je disais tout à l'heure, existentielle, elle te permet quoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a créés, l'avarice et l'avidité, elle est innée chez l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, si tu veux enlever cette avarice, et comment nettoyer ton cœur de l'avarice, et comment te protéger contre l'avarice, et comment te guérir de l'avarice, eh bien tu sors zakat. Tout zakat. Vous voyez bien? Alors, notez bien, premier point, notez-le bien, c'est que quand tu fais un acte d'adoration, tu montres ta servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Suivez bien le raisonnement, hein. Suivez bien le raisonnement. Donc quand tu fais un acte d'adoration, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ça, il dit « Atu zakat ». Quand tu sors zakat, tu t'acquittes de zakat, tu fais quoi? Tu reconnais ta servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la première. On va maintenant à salat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aqimu salat, accomplissez zakat ». Et « Qamatu salat » veut dire quoi? Construis ta salat, construis-la. Pourquoi? Parce que quand tu construis ta salat, il y aura beaucoup d'éléments qui viendront te perturber. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné des outils pour que tu puisses construire ta salat. Et là, comment tu peux construire ta salat? Et comment arriver au khushu? On va le voir tout à l'heure, au khushu. Pour que tu puisses construire ta salat, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des éléments. Quels sont les éléments pour construire ma salat? Comment je fais pour construire ma salat? Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des éléments pour que tu puisses la construire. À travers ça, et c'est ça ce que souvent on n'a pas compris, c'est qu'on reste dans les détails de la gestuelle et on oublie l'âme. Mais regardez, est-ce que vous savez, quand vous faites le fiqh, quand vous faites fiqh salat, vous essayez de comprendre salat, qu'est-ce qu'il faut faire, et vous le faites tous, et on le fait tous les jours, mais je vous pose la question, vous allez avoir du mal. Quelles sont les conditions de la prière? J'espère que tout le monde écoute. Non, l'intention ne fait pas partie de la prière. Alors, attendez, deux secondes. Premièrement, ce n'est pas les ablutions. Non. Avant, la raison? Non. Liberté? Non. Avant la raison? Barakallahu, l'islam. Si tu n'es pas musulman, tu ne fais pas la prière. Deuxièmement,
La raison. Et troisièmement, puberté. Qui a dit l'âge ? La puberté, ouais. La puberté. Laisse tomber alors. Quatrièmement. Laisse tomber là, ça va. Quatrièmement, purification. Alors, quand on dit purification, suivez bien. Hein. Quand on dit purification, ça nécessite purification du lieu, des habits et du corps. Hein, l'Odo al-Asar, l'Odo al-Akbar, et puis le lieu doit être propre. Être propre, un lieu propre, c'est un lieu qui est voué au vent, où le soleil tape bien sur ce lieu-là, où la pluie, ce qui fait que les souillures ont été... Donc on ne peut pas faire la salade dans un endroit qui n'est pas purifié. Mais attention, la purification, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit purifier votre corps et le lieu, mais purifier aussi ton âme. Le suivez, hein, le raisonnement. Donc, l'islam, la raison, la puberté, la purification. Cinquièmement, Qibla. Sixièmement, voilà, le temps. Ok, le temps. Et septièmement, c'est quoi septièmement ? Non, quoi ? Non, la raison, on a parlé ça. Septièmement, c'est quoi ? Bon, vous pouvez faire la prière sans foulard pour les femmes. Donc, l'aura, voilà. Protéger les parties. Donc, voilà. L'aura, je noterai. Protéger les parties intimes. Ok ? On va s'arrêter sur deux choses. Oui. Juste pour que ça soit peut-être un peu clair pour les trois premières, ce qu'on appelle des conditions d'exigibilité. Absolument. Oui, le reste, c'est l'acceptation. Tout à fait. Tout à fait. Alors, regardez. On va s'arrêter sur deux choses. La Qibla, ok, et le temps. On va s'arrêter sur deux éléments, ces deux éléments, pour que vous compreniez le sens de la Qibla et du temps. Si vous prenez le Mus'haf, vous regardez la Aya 142, jusqu'à y a 4 ou 5 ayats qui vont parler de la Qibla. Regardez. Baqara. Surat Baqara 142. Allez, qui veut lire ? Vas-y. Les insensés parmi les hommes ne parviennent pas à dire qui les a donc détournés de la direction vers laquelle ils sont montés pour la salle. Dis-leur, aurait un accident appartient également à Dieu qui dirige tous les deux dans les grands chemins. Continue, ouais. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins parmi les hommes et que les prophètes soient témoins. Nous n'avions fixé la direction vers laquelle tu t'orientais initialement que pour distinguer ceux qui suivraient le prophète de ceux qui se détourneraient de lui. Certes, le changement de direction fut une épreuve difficile, mais pas pour ceux que Dieu conduit dans le droit chemin. Et ce n'est pas Dieu qui vous ferait perdre votre foi, car Dieu est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard, aussi t'orientons-nous dorénavant vers une direction que tu agréeras sûrement. Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée, et vous croyants, où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Quant à ceux qui ont reçu l'écriture, ils savent parfaitement que cette vérité émane du Seigneur, qui n'est point inattentif à leur comportement. Quelles que soient les preuves que tu fourniras à ceux qui ont reçu l'écriture, ils n'adopteront pas ton orientation, pas plus que toi tu n'adopteras la leur. D'ailleurs, aucun d'eux-mêmes n'est disposé à adopter celle-là. Si donc tu te laissais tenter par leur caprice, malgré la science que tu as reçue, tu ferais certainement partie du contingent des injustes. Continue. Ceux à qui nous avons donné l'écriture connaissent bien le prophète, comme ils connaissent leurs propres enfants. Mais certains d'entre vous cachent sciemment la vérité. Or, la vérité vient de ton Seigneur, ne te laisse donc pas gagner par les autres. À chacun une direction vers laquelle il s'oriente pour accomplir sa salat, mais l'essentiel est de chercher à vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement du bien, car où que vous soyez, Dieu vous ramènera tous à lui. En vérité, la puissance de Dieu s'étend à toute chose. De quelque lieu que tu sortes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Là est la vérité, venue de Dieu qui n'est point inattentif à ce que vous faites. De quelque lieu que tu viennes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Ou que vous vous trouviez, tournez vos visages dans la même direction, afin de ne pas donner prise aux critiques des hommes.
parmi vous. Cela, vous n'avez pas à les craindre. C'est moi que vous devez redouter afin que je parachève ma grâce en votre faveur et que vous soyez guidés dans la voie du Seigneur. C'est ainsi que nous vous avons envoyé un prophète choisi par nous tous, qui récite nos versets, vous purifie, vous apprend le but de la sagesse et vous enseigne ce que vous ignorez. Ok, stop. D'accord. Vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond deux ou trois fois, il dit « Où que vous soyez, là où vous êtes, tournez-vous vers un mosquée sacré. » Alors, ces versets, c'est pas pour c'est ayat, ont une histoire. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à la Mecque, il faisait la prière en direction de Jérusalem. Ok ? Il faisait la prière en direction de Jérusalem. Mais quand il faisait la prière en direction de Jérusalem, il ne prenait pas n'importe quel coin de la Kaaba. En fait, il mettait la Kaaba devant lui, il ne mettait jamais la Kaaba derrière lui. Il mettait la Kaaba devant lui, et il se tournait vers Jérusalem. Si vous regardez la Kaaba, pour ceux qui sont allés, il y a le Hajar al-Aswad ici. Le Hajar al-Aswad, c'est, le prophète Hassan me dit, c'est une pierre du paradis. Et d'ailleurs, c'est une météorite. On l'a analysé, c'est une météorite. C'est une pierre qui n'existe pas sur Terre, qui est venue de l'espace. Donc le Hajar al-Aswad, la pierre noire qui est là, où les gens ils se battent pour l'embrasser. Omar al-Khattab il disait tu n'es qu'une pierre et si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Et le prophète il lui dit cette pierre viendra témoigner pour tes œuvres, témoigner pour toi le jour du jugement. Elle dira à Allah il est venu jusqu'ici et il a posé ses lèvres sur cette pierre. Devant, alors là il y a ce qu'on appelle al-Rukn al-Yamani, le coin yéménite. Ok ? Pourquoi on l'appelle le coin yéménite ? Parce qu'il est, du côté du Yémen. Okay ? Le prophète, quand il faisait la prière, il se mettait là, entre le coin yéménite et Al-Hajar al-Aswad. Vous remarquerez que quand vous faites tawaf, c'est quoi ? Vous faites les tours de la Kaaba, quand vous faites tawaf, il n'y a pas de dua particulier. Le seul dua qu'on dit en particulier, c'est entre le Rukn al-Yamani et le Hajar al-Aswad, où on dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban. Et ça aussi, ça a un sens. Vous allez voir. Ça aussi, ça a un sens, le fait que vous disiez ça entre le Rukn al-Yamani et le Hajar al-Aswad. Allah subhanahu wa ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la prière là, il voulait qu'Allah subhanahu wa ta'ala change la qibla. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a attendu que le prophète soit établi à Médine. Et 16 mois après l'établissement du prophète à Médine, il y a le changement de Qibla, il y a ces versets qui sont révélés. Et dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tournez-vous maintenant vers la mosquée sacrée ». Si vous regardez la carte, là vous avez la mer Rouge, vous avez la mer qui est là, qui est tout près de qui est à 70 km de la côte, et Médine elle est plus au nord, ok ? Et Jérusalem est encore plus au nord. Les gens, quand ils sont à Médine, ils sont comme ça quand ils font la prière. Okay ? Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reçoit la révélation, il envoie quelqu'un dans un endroit qui est à peu près à 10-12 km de Médine pour leur dire que la Qibla a changé. Et d'ailleurs, ceux qui sont allés à Médine, ils voient ce qu'on appelle Masjid al-Qiblatayn, la mosquée aux deux Qibla. Les fidèles, ils faisaient la prière comme ça vers Jérusalem, on leur dit la Qibla a changé. Pendant la prière, ils se tournent comme ça. Ils se tournent dans l'autre sens. Autrement dit, quand l'ordre de Dieu vient, il n'y a pas de tergiversation. Ils ne disent pas, on finit la prière et après on se tourne. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'ailleurs le Qibla, c'est une condition de la prière. Là où vous êtes, vous devez chercher la Qibla. Là où vous êtes, vous devez chercher la Qibla. Qu'est-ce que ça veut dire ? Là où vous êtes, tournez-vous vers la Qibla. Bien sûr, il y a une... Comment dire ? Il y a une direction à avoir physique. D'accord ? Mais tout à l'heure, quelqu'un d'entre vous a dit la centralité d'Allah, mettre Allah dans le centre de sa vie. La Qibla, c'est exactement ça. En fait, là où tu es, la Qibla, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il devient le centre de ta vie. C'est ça ce que ça veut dire. Si vous êtes à l'ouest, vous tournez vers la Qibla. Si vous êtes au nord, vous tournez vers le sud. Si vous êtes au sud, vous tournez vers le Qibla. Si vous êtes à l'est, vous... Bon, il y a une théorie qui a été établie. Il y a un mot de Jaz al-Ilmi fil Qur'an.
qui s'est déroulé à Istanbul il y a 2 ans, je crois, sur les miracles du Coran, il y a un géographe qui a expliqué que la Kaaba, Mecca, se trouvait au milieu des terres. Pas la Terre en tant que globe, mais si vous prenez la Pangée, par exemple, avant la dérive des continents, vous regardez bien la Kaaba, si vous mesurez les distances, la Kaaba, elle se trouve vraiment au centre de la Terre. C'est une théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Bon, après, c'est à voir. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites le tawaf, regardez, quand vous faites le tawaf, vous commencez là, vous commencez devant le Hajar al-Aswad, vous l'embrassez si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, vous faites juste un geste de la main, et vous commencez les tours de la Kaaba. Vous allez voir que vous tournez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Okay? Vous tournez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Vous mettez la Kaaba à votre droite et vous tournez dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Or, on vous dit que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, commencez par l'atome, prenez un atome, vous avez le noyau au milieu, et vous avez un électron qui tourne, et tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Prenez la Terre, elle tourne autour du Soleil, dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. Et toi, quand tu vas à la Mecque, tu vas reproduire ce mouvement, tu vas tourner dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre, et tu montres quoi? Tu montres ta servitude à Allah, en disant, Ya Allah, je ne suis qu'une créature parmi les créations que tu as mis dans ce monde. Souvenez-vous la zakat, quand Allah subhanahu wa ta'ala vient te donner un ordre, il te dit maintenant dans ta zakat, tu sors, as-salat, à travers la qibla, il n'y a pas que la qibla, mais une partie, as-salat, la qibla, à travers la qibla, tu montres ta servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, tu dis que Allah subhanahu wa ta'ala, je suis qu'une création parmi toutes les créations qu'il y a dans la terre. Attendez, il y a autre chose. Al-Kaaba, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait construire à Ibrahim, a été construite au préalable par Adam, par Malaïka d'abord, par Adam, elle a été détruite, et Ibrahim, il a reconstruit la Kaaba. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois quand Ibrahim il venait de Palestine, il s'arrêtait sur le chemin. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit non, c'est pas là, continue. Il continue, jusqu'à, il arrive à l'endroit, vous connaissez l'histoire, hein, où il laisse sa femme, tout ça, après il revient quelques années plus tard, il construit la Kaaba. Vous remarquerez, quand vous avez la Kaaba, il y a un endroit qu'on appelle Hijj Ismail, c'est-à-dire un arc de cercle ici, hein, on fait pas il est considéré dans la Kaaba, donc quand on fait la prière, on ne fait pas la prière à l'intérieur, et quand on tourne en mettant Hijj Ismail à notre droite aussi. Donc l'arc qui est là, je ne sais pas si vous voyez, vous voyez tous, hein, il y a un arc qui est de l'autre côté de la Hijj Ismail. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Non? Pardon? Il y a un arc de cercle, hein, dans lequel on ne peut pas faire la prière à l'intérieur. C'est, ils font une affaire là, mais bon, normalement tu ne fais pas la prière à l'intérieur. Et rien que ça, le fait qu'il y ait cet arc de cercle, le fuqaha, il tire des règles juridiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, quand il est revenu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, Aïcha était petite. Elle avait pris de l'âge quand elle est revenue avec lui. Elle dit, alors là, pourquoi Hijj Ismail est à l'extérieur comme ça? Et les gens, il dit, parce que les Quraïchites, quand ils ont reconstruit la Kaaba, ils ont enlevé tout l'argent sale. L'argent de riba, l'argent des... Ils ont enlevé tout l'argent sale. Donc, même des kfiyem al nafaqa, ils n'avaient pas assez d'argent pour construire la Kaaba. Et du coup, ils ont rétréci la Kaaba. Et si je ne craignais pas une sédition de ton peuple, de Quraysh, j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais reconstruite comme Seyyidina Ibrahim. Mais il n'a pas touché le prophète. On vous dit, à travers cet acte, il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas toucher pour éviter la sédition, même si elle est contraire à certains principes. Vous voyez ? Ça, c'est, je vous dis, ahkam fiqhiyya, c'est-à-dire des règles juridiques qui peuvent en sortir. Ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est que la Kaaba, elle est liée à une autre Kaaba qui est au 7e siècle. Cette Kaaba qui est au 7e siècle, ça s'appelle le Bayt al-Ma'mour. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le voyage nocturne, il nous dit qu'il a trouvé Ibrahim, alayhi salam, adossé à le Bayt al-Ma'mour. Le Bayt al-Ma'mour, il y a un hadith où le prophète, il nous dit, tous les jours rentrent dans ce bayt 70 000 anges.
ils ne reviendront pas jusqu'au jour du jugement dernier. Quand il a cité cette parole, il a cité un verset du Coran, il dit « وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ » Il n'y a que Dieu qui connaît, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nom de ses soldats. Vous imaginez depuis la création de l'univers, la création, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 70 000 anges qui rentrent et qui ne reviendront pas. Imaginez combien d'anges il y a. Bon, vous remarquerez, pour ceux qui vont là-bas, que les oiseaux, ils ne traversent pas l'axe de la Kaaba. Parce que justement, elle est liée à Al-Bayt al-Ma'mour. Donc toi, quand tu vas à la Kaaba, ou quand tu vas avec ton cœur, quand tu mets la centralité de la Kaaba, tu mets la Kaaba ou la Qibla dans ton cœur, tu es en train de mettre la centralité d'Allah dans ta vie, et tu es lié par la Kaaba à un monde visible, et par Al-Bayt al-Ma'mour au monde invisible. Regardez la relation entre zakat et salat. À salat, tu es lié au monde invisible à travers ta dévotion vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. À zakat, tu crois au monde invisible. Pourquoi? Parce que tu donnes ici. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit, je te réserve la récompense là-bas. Quand tu donnes zakat, quelque part, tu as une certitude qu'il y a un monde invisible et que tu as une deuxième vie qui t'attend. Vous voyez? Donc la Kaaba, on a dit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, hein, ça tourne autour dans le sens contraire du début du monde. On ne fait que reproduire le mouvement de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit que la Kaaba c'est sacré. Si quelqu'un veut détruire la Kaaba, Allah il le détruit. Mais la sacralité de la vie d'un musulman est plus sacrée, voilà. La vie d'un musulman est plus sacrée que la sacralité de la Kaaba. Ok? Donc ça c'est la Qibla. Le temps maintenant. Le temps. Vous n'avez pas une adoration qui est en dehors du temps. Ça n'existe pas. Toutes les adorations sont liées au temps. Que ce soit zakat, Allah subhanahu wa ta'ala te dit ta zakat, tu la sors un an après. Il faut que l'année soit passée pour que tu puisses sortir la zakat. Okay? Donc l'année, tu la calcules. Et quand tu calcules, donc c'est toi qui es responsable de ta zakat. L'année, tu la calcules. Et tu sors ta zakat, tu fais vite. Zakat la tu'akha. Tuqaddam la tu'akha. Zakat, tu ne peux pas la retarder. Tu peux la sortir en avance, mais pas en retard. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ton argent, c'est l'argent du pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une quantité d'argent, c'est l'argent du pauvre. On va arriver tout à l'heure sur Manzilat al-Faqr, vous allez voir. J'espère qu'on aura ce temps. Donc, as-salat, le temps. Donc, quand on parle du temps, les adorations sont liées au temps. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, quand tu vas à l'Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala me dit, al-Hajju, Arafa. Le pèlerinage, c'est quoi? C'est Arafa. Pèlerinage, c'est Arafa. Il indique quoi en disant Arafa? Le temps ou le lieu? Il indique le temps, il n'indique pas le lieu. Ou Inkem, le lieu Taba, c'est-à-dire il est lié au temps. Le lieu de Arafat, il est lié au temps. Mais le prophète, il te dit, si tu n'es pas resté au mont, ou à l'endroit qui s'appelle Arafa, le 9e jour, ton hajj, il n'est pas valide. Tu vas le 8e jour, tu n'as rien fait. Tu vas le 10e jour, tu n'as rien fait. Tu vas le 7e jour, tu n'as rien fait. Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'il doit être là quand? Le 9e jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit jeûner 30 jours dans l'année. Quel jour est Allah? Le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement extraordinaire qui s'est produit au mois de Ramadan. Quels sont les événements extraordinaires? Unzila fihi al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran. Ça, c'est le premier événement. Deuxième événement que le prophète il nous dit. Quand arrive le mois de Ramadan, il y a un événement terrible qui arrive, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre le paradis et il ferme les portes de l'enfer et il enchaîne les diables. Oui, il enchaîne les shayatins. Donc il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, par cette occasion-là qui se produit, toi tu dois jeûner. Jeûne à ce moment-là. Ok. Le temps, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, la prière, tu l'as fait en temps voulu. Qu'est-ce que ça veut dire en temps voulu? Quand Allah subhanahu wa ta'ala te convoque à 6h du matin à faire la prière, si tu fais la prière de salat à subha à 6h du matin, ou là si tu l'as fait à 9h alors que le soleil est au milieu du ciel, ou là à 10h, ou que le soleil est au milieu du ciel, du point de vue gestuel, tu as fait la même chose. Point de vue gestuel, tu as fait exactement la même chose. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, tu as lu la surah et tu as fait là. Ok? Mais du point de vue du secret du temps, tu n'as pas respecté le secret du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le moment où tu dois te prosterner devant lui.
D'ailleurs, le fuqaha, il y a certains fuqaha qui vous disent « As-salat la tuqda ». La salat, si le temps est sorti, tu ne récupères pas. C'est bon, c'est trop tard. Pourquoi ? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te dit à 6h du matin, tu dois être là, c'est un rendez-vous pour toutes les créatures. Souvenez-vous là. Toutes les créatures. Le coq, il ne se réveille pas à 9h. Le coq, il se lève à l'aube. Ok ? Et toutes les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce sont des nations comme vous. Sauf que vous ne comprenez pas ce qu'ils disent. Vous ne comprenez pas Tasbihahu. Comment il glorifie Dieu. Et ça, c'est une ayah surat al-Isra. Tout ce que vous voyez, toutes les créations, les créatures, al-ard, la terre, les galaxies, les arbres, les animaux, les... toutes, ce sont des nations comme vous, Allah subhanahu wa ta'ala. À 6 heures, Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un rendez-vous à qui ? À toute la création. Tu étais là, tu rentres dans l'assurance d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es englobé, enveloppé par l'assurance d'Allah. Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Tu es sorti de l'orbite. Vous vous souvenez de l'orbite ? On a dit quand tu fais le tawaf et Kaaba, tu es dans l'orbite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu n'es pas là à 6 heures du matin, qu'est-ce qui t'arrive ? En fait, tu ne représentes plus, tu n'es plus dans le mouvement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la création. Regardez le sens profond de l'adoration et ce que ça veut dire. Quand tu comprends, on parle de spiritualité. Et on parle, la spiritualité c'est quoi ? C'est le cœur. Oui, effectivement. Mais il faut comprendre le sens profond de l'ibada, de l'adoration, pour que tu comprennes que si tu fais al-fajr à 10 heures, tu es sorti complètement de l'organisation qu'Allah a mis dans cet univers. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que nous comprenions ça. Alors, la Sousa Salam dit Man fatatuhu salat al-asr faqad wutira malahu wa ahlihi. Celui qui a perdu, qui n'a pas fait salat al-asr, quand ? Fi waqtiha, en son temps voulu. C'est comme s'il a fait faillite. C'est comme s'il a perdu son argent. Et quoi ? Et sa famille. C'est quelque chose de très très fort. Pour que vous compreniez. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fi hujjat al-wada', dans le dernier sermon qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était à Arafat, c'était un vendredi. Un jour, il y a un rabbin qui rencontre Omar al-Khattab, il lui dit, je lis un verset ou une ayah dans votre livre. Si elle était descendue chez nous, on aurait fait de ce jour une fête. Il dit laquelle ? Il dit, aujourd'hui, je vous ai parachevé votre religion, yom akbatul akundinakum. Et je vous ai comblé de bienfaits et je vous ai choisi l'islam comme religion. Ayat surat al-Maïda. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Wallahi, je sais quand elle est descendue, et pour nous c'est un jour de fête. Elle est descendue un vendredi, après l'As, le jour de Arafat. Et pour nous, vendredi c'est un jour de fête, et Yom Arafat c'est un jour de fête. Et après l'As, Yom Arafat, c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, après comment Allahu a'lam, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend, il pardonne à tous ces gens-là qui sont là. Pour que vous compreniez le sens du temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam te dit, troisième tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande et que je lui réponde. Il y a un temps bien précis dans lequel tu dois faire ton adoration. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le dernier sermon, il dit à un moment donné, il dit, « Inna zamana qad istadara ka hay'atihi » Yawma khalaq Allahu as-samawati wal ard. Il dit le temps a tourné, il a fait une tour complète et il s'est recalé sur sa position initiale quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le monde. Si vous regardez profondément cette parole, en fait le prophète il nous dit, et le prophète Al-Hajj, à la 9e année quand il était à Médine, à la 9e année il n'a pas fait le Hajj, il a envoyé Abu Bakr, qui était le guide de la communauté. Le prophète est allé à la 10e année. Et ça aussi, on peut tirer des règles juridiques à travers le comportement du prophète. À la 10e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le hajj. Et quand il était au mont Jabal al-Rahma ou Arafat, il dit cette parole-là. Cette parole qui veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'univers, il l'a mis en mouvement. À travers le mouvement de l'univers, à travers le mouvement des astres, qu'est-ce qui s'est produit ? Le temps. Le mouvement, il a fait un mouvement complet quand le prophète était sur le mont Arafat. Pour que vous compreniez que
quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas seulement un renouvellement du message ou la fin du message, c'est aussi un renouvellement total dans l'univers. L'univers a fait un tour entier. Pour que vous compreniez la notion du temps en islam, la notion du temps en islam est liée à cette adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne donnes pas de temps. Si tu ne respectes pas le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, tu ne respecteras pas ta vie. Pourquoi ? Le temps, c'est quoi ? Le temps, c'est ta vie. Le temps, c'est umruk. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés de terre, il a insufflé la vie, et après il te dit, voilà, je te donne un laps de temps dans lequel tu vas vivre. Je te donne un laps de temps dans lequel tu vas vivre. Ce temps-là que tu vas vivre, Allah subhanahu wa ta'ala va te demander, il va te demander chaque détail de ta vie quand tu seras devant lui. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir peur, mettez votre main sur votre cœur. En fait, quand vous entamez votre vie, c'est le compte à rebours a commencé. C'est le compte à rebours qui a commencé, et donc tu es en train de cheminer vers qui ? Vers celui qui t'a créé. Regardez. Il t'a créé, il t'a donné la vie. Il t'a créé, il t'a donné le temps. Il t'a créé, il t'a donné l'argent. En fait, tu es quoi ? Tu es entre ses mains. Tu n'es rien. Tu es une créature, et ça te montre quoi ? Ta servitude. Si tu comprends ça, si tu comprends ça, et tu comprends que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as plus peur. Et ça, la peur, c'est une station de foi. J'arrive. Quand tu commences à connaître Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala à travers des stations de foi. Ces stations de foi, qu'on appelle maqamat, qu'on appelle maqamat al-iman, tu vas avoir une connaissance nouvelle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta pratique. Chaque connaissance nouvelle, tu vas découvrir des choses nouvelles. Et quand tu chemines dans ta vie, tu vas acquérir de nouvelles connaissances d'Allah qui vont apaiser ta vie. Je reviendrai sur Manzilat al-Khawf tout à l'heure. Ibn al-Qayyim dit, quand quelqu'un chemine vers Allah, quand tu dis « Yaka na'budu wa yaka nasta'in, yaka na'budu wa yaka nasta'in », qu'est-ce que tu fais ? En fait, tu ne répètes pas. Quand tu dis à Allah, « Yaka na'budu, yaka nasta'in », tu es en train de cheminer. Tu fais un pas, et un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Mais le pas que tu as fait en premier, si je fais un pas là et un pas là, le pas est le même, mais la distance n'est plus la même. Du coup, quand j'ai dit « Yaka na'budu, yaka nasta'in » ce matin, salat al-fajr, ce n'est pas le « Yaka na'budu, yaka nasta'in » que je vais dire « fi salat al-isha ». Pourquoi ? Parce que je suis passé par une étape de ma vie qui m'a appris autre chose sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans les versets qu'on est en train d'étudier. Après, il dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in ». Quelqu'un peut lire ? Regardez les versets. Regardez. Il faut ouvrir le mushaf. Il est... On fait la pause ou... C'est vous qui voyez. Ok, allez. Regardez le verset 42, j'ai dit 42, 43, 44. Comment ? Non, 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 ça c'est Qibla. Ça c'est Qibla. On est en train d'étudier. Oui, voilà, c'est un autre. 153, non. Non, 42, 40. Début de Sourate al-Baqara. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà. Combien ? 42. 44. Voilà. 44, 45. Qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala ? Allez, 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 vite. Cherchez du réconfort dans la patience et la salat. Voilà. Cherchez du réconfort dans la patience et la salat. Pourquoi il dit chercher du réconfort dans la patience et la salat ? Parce que toute ta vie, c'est une épreuve. Tous les jours, tu passes par des épreuves. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala te demande de quoi ? Il faut patienter. Mais regardez, le mot sabr en arabe n'a pas sa traduction en français. Parce que le mot sabr, si tu veux le traduire en français, tu utilises au moins deux ou trois termes. Le mot sabr veut dire patience, veut dire persévérance et veut dire endurance. Donc c'est ces trois mots-là qui vont résumer le mot sabr, si vous voulez. Allah subhanahu wa ta'ala dit endure, patiente. Pourquoi ? Parce que tu vas passer par des épreuves dans ta vie. Tous les jours, il y aura des épreuves dans ta vie. Et ce sont ces épreuves-là, c'est quoi ? Qui sont en train de t'éduquer dans ton cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te fait passer par l'épreuve que pour que tu comprennes un petit peu le sens de la vie et que tu te connaisses toi-même. Quand toi tu dis, si Allah il me donne de l'argent, je suis pauvre, si Allah il me donne de l'argent, je vais dépenser. Je vais créer une école, je vais m'occuper des orphelins, je vais créer une mosquée. D'accord, ok. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne de l'argent. Et là tu vois que c'est pas si évident que ça. Que l'argent, tu aimerais bien le garder. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te passe par cette épreuve de la richesse, comme l'épreuve de la pauvreté, il y a l'épreuve aussi de la richesse. Quand il te fait passer par cette épreuve, il te fait montrer quoi ? Comment toi tu es ? Tu te découvres toi-même. L'épreuve, c'est ça. L'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une étape pour le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il te dit « Sta'inu bis sabr ». Il faut que vous ayez la patience. Zid wa salat. Pourquoi ? Parce que salat, elle éduque ton âme dans ton cheminement vers Allah. Mais ça, c'est quelque chose de très lourd. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran. Wa innaha la kabiratun illa, qui c'est ? Ala al-khashi'in. Bon, ils disent les humbles en français. Al-khushu'a. Qu'est-ce que ça veut dire al-khushu'a ? On dit ardul khashi'a. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit de al-khashi'a, al-khashi'a, c'est une terre basse. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez vu, le terme qu'il utilise Allah subhanahu wa ta'ala dans l'arabe, c'est très... Vous avez vu les épis de blé, quand elles sont pleines, hein, avant la moisson, et qu'elles sont sujettes au vent, et que les épis se... Comment dire se, voilà, se penchent comme ça. C'est ça le mukhbit. Le mukhbit, c'est ça. C'est-à-dire quelqu'un qui voit et qui reconnaît les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et qui est humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comment trouver l'humilité ? Fas-salat. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit « Aqimu » tout à l'heure, « Accomplissez ». Comment tu trouves l'humilité ? Fas-salat. Puisque l'humilité, fas-salat, que tu le veuilles ou non, rien, hein, ce qu'on appelle l'ostentation, ou le petit shirk, la petite association, que tu le veuilles ou non, tu le repousses devant, il vient derrière, tu le repousses derrière, il vient à gauche, il vient à droite, tu le repousses à droite, il vient à gauche, tout le temps. Tu peux pas, ton esprit, il faut que Shaitan, il faut qu'il t'enlève un petit peu. Comment ? Comment tu sais et comment tu vas acquérir le khushu ? Eh bien, regardez la réponse. Elle est dans l'aïa. Lisez. Lisez. N'ayez pas peur. 45 encore. D'accord. Les plus forts, s'il te plaît. Alladhina yadhunnuna. Qu'est-ce qu'il dit ? Qui ont la certitude de rencontrer. Alladhina yadhunnuna. Mulaqu rabbihim wa annahum raji'un. Ceux qui. Alors regardez. Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot yadhunnuna. En avant. Avant, en arabe, il est de deux sortes. C'est soit le doute, soit la croyance absolue. Et des fois, c'est le doute. Okay ? Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Adhunnuna » ici ? En fait, quand tu commences à croire, il y a toujours une partie de doute. Regardez, hein. Il y a une partie de doute. Ta foi, elle est en train de monter et le doute, il s'estompe. Ta foi, elle monte et le doute, il s'estompe. Ta foi, elle monte et le doute, il s'estompe. À travers quoi ? À travers ta pratique avec Allah. À travers les épreuves que tu vas passer. Tout à l'heure, on va voir, Inch'Allah, pour vous dire, regardez comment l'islam, c'est tout un travail à faire sur soi, et c'est une connaissance profonde. Vous savez, quand vous faites la prière, si vous apprenez la prière, comment faire la gestuelle, vous l'apprenez en une heure ou deux. Vous mettez votre main là, vous faites ta chérie comme ça. Et c'est ce sens profond que tu mets ta vie à comprendre. Tu mets ta vie pour comprendre ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Adhunnuna ». Pourquoi il dit « Adhunnuna » ? Parce qu'ils ont commencé par avoir ce doute-là. Et à chaque fois, le doute il s'estompe et la croyance elle monte. Du coup, cette croyance elle a atteint son apogée parce qu'il y a « Adhunnuna annahum mulaqu ». Continuez. Continuez. « Rabbihim ». Ok ?« Zad al-idhafa ». Il a rajouté « hum », le « leur ». Il aurait pu dire dans le lexique arabe, on aurait pu dire Ladina Yadunnuna Mahmoula Urrab. Ils vont rencontrer le Seigneur. Non, il a dit leur Seigneur.
Pourquoi il a dit leur Seigneur? Pourquoi il a rajouté homme? Pourquoi il n'a pas dit Rab? Vous voyez comment la profondeur du Coran, quelque chose, on passe comme ça. On ne regarde pas la profondeur. C'est pour ça que je vous dis, vous lisez juste ça. Et vous restez toute la journée à réfléchir à ça. Pourquoi Allah s'attend à dire Rabbihim? Dielou, le leur. Leur Seigneur, à eux. Sidhum, Moulahum, à leur. Voilà. Je vais rencontrer mon Seigneur à moi que j'aime beaucoup. Ça, c'est ma fille qui me dit. Elle me dit, papa, que j'aime beaucoup. Quand elle veut quelque chose. Vous voyez, donc il dit Rabbohum, le leur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur cheminement a atteint un niveau qu'ils l'ont connu. Ils ont la certitude qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Quand tu vas rencontrer quelqu'un que tu aimes beaucoup, tu te mets sur ton 31. Donc quand tu rentres en prière, tu sais que tu es en face de celui que tu vas rencontrer. Et que derrière, il dit « Wa annahum ilayhi raji'un ». Quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe, il dit « Il y a une répétition ». Ils vont rencontrer leur Seigneur, ils vont retourner vers lui. Oui, il y a deux sens dans leur phrase. Ils vont rencontrer leur Seigneur comme ça, sans vis-à-vis. « Wa laqad ataytumuna furada ». Vous êtes venus tout seul. « Furada ». Chacun est venu « alone », comme on dit en anglais. Chacun est venu tout seul. Et il rencontrera son Seigneur. Mais il dit « Wa ilayhi raji'un », ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière la rencontre du Seigneur, il y a aussi autre chose. Il y a aussi ce qu'on disait tout à l'heure en début du cours, la foi, le jugement dernier. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous demander des comptes. Qu'il y aura l'enfer, le paradis, il y aura... Qu'est-ce qu'on croit en tant que musulman? Il y a la mort. Tout le monde croit à la mort. La différence, c'est quoi? C'est que ce qu'il y a après la mort. Ce qu'il y a après la mort, il y a ce qu'on appelle le Ba'd. Le Ba'd, c'est la résurrection. Après la résurrection, il y a ce qu'on appelle le Hisab, c'est-à-dire le jugement. Et après le jugement, il y a quoi? Il y a l'enfer ou le paradis. Il y a le paradis ou l'enfer. Pendant cette période-là, avant l'enfer ou le paradis, فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, personne ne reconnaîtra l'autre. Ni tu reconnais ta mère, ni tu reconnais ton père, ni tu reconnais ton fils, tu reconnais personne. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Hajj, il dit, craignez le jour du jugement. Pourquoi? Parce que le jour où vous la verrez, le jour, vous le verrez le jour du jugement. تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ. Celle qui est en train d'allaiter, elle jettera son bébé. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلًا. Celle qui est enceinte, elle jettera aussi son bébé. أَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى. Tu penses que les gens sont ivres, mais ils ne sont pas ivres. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de la femme qui est en train d'allaiter? On vous dit, l'apogée de la tendresse d'une personne, c'est la maman quand elle est en train d'allaiter. L'apogée de l'amour et de la tendresse de quelqu'un qui aime un autre, c'est quoi? C'est quand la maman, elle est avec son bébé. D'ailleurs, on vous dit, les femmes connaissent ça, le bébé, quand la femme accouche, il y a ce qu'on appelle la, il y a la dépression postnatale. Et cette dépression, elle est due à quoi? C'est que le bébé, il faisait partie d'elle, de son corps. Quand elle accouche, elle ressent cette dépression. Et elle aime tellement son bébé. Vous voyez? Et c'est cet apogée-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrit le Coran en disant que ce jour-là, même cet amour qu'on ne peut pas mesurer, eh bien, il s'estompe. Ce jour-là, cet amour, il s'estompe. Et là, tout le monde sera seul. Et là, tout le monde sera seul et tu auras besoin de tes hasanat. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans la suite des versets. Ok? Si vous voulez, on fait la pause ou on continue quand vous voulez. On fait la pause? Ok, on fait la pause, on continuera tout à l'heure.